Diabaté, avec des grands comme Salif Keïta, avec des stars mondiales, ça m'a permis de me retrouver, tu vois, de faire un mélange musical qui donne un goût extraordinaire, qui n'a même pas de nom, tu vois. Tu es issu de la 72e génération de virtuoses de la kora, tu es un diabaté. Oui. Tu es également un des rares artistes du Mali Oui. à essaimer dans toute l'Afrique et à être très présent en Afrique centrale. Oui. Est-ce que, et là je fais une passerelle avec ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que, tu vas le confirmer probablement, est-ce que tu te sens panafricain et pour toi c'est une mission d'être cela? Tout en étant résolument malien, évidemment. En fait, j'essaie juste de suivre l'exemple. Regardez des gens comme Alpha Blondy, des gens comme Tikenja, des gens comme Youssou N'Dour. Ces gens-là, ils ont poussé le drapeau africain. J'essaie juste de suivre cet exemple extraordinaire. Mais parfois, c'est vrai, lorsque l'on est aussi dans la tradition, Yeah. on peut être enfermé. Je vais pas employer le terme de caste, mais en tout cas dans sa condition, Oui. aussi belle soit-elle. Et Oui. toi, c'est pas le cas, tu brises les barrières. Oui, en fait, ce qui m'a facilité ces tâches-là, en fait, c'est de voyager. Quand on voyage, ça apprend. Tu vois, de voir la culture chinoise, d'Espagne, ça instruit. Tu vois, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment appris à développer mon griotisme et développer mon art qui est la culture africaine, qui est ce jeu de kora extraordinaire. Florel Manda. Claudie, bonjour Sidiki. Bonjour. Claudie, tout à l'heure tu parlais d'Afrique centrale et justement récemment tu as tourné deux clips au Congo. Oui. Viens danser à Brazzaville et un peu à Pointe-Noire et L'enfant béni à Pointe-Noire oui. avec mon ami Alex de Future, Alex, ouais, qui le produit et qui apparaît dans le clip. Moi oui. j'aimerais savoir comment s'est passée cette collaboration et en fait qu'est-ce qui t'a apporté parce que lui il n'est pas du tout un professionnel de la musique. Alex, c'est un bon ami. Et c'est quelqu'un qui est très gentil et il vient d'une famille vraiment, vraiment respectueuse, comme tu le sais. C'est quelqu'un qui m'a aidé à réaliser mon clip. Là-bas, c'était vraiment easy. Et il m'a juste fait confiance et on a fait le travail comme il faut. Et voilà, alhamdoulilah, c'est un tube. Oui. C'est un tube, ouais. Diabaté Ba Musique, c'est donc le nom de ce premier album international, mon cher Sidiki Diabaté. Nous Yeah. avons réalisé notre traditionnel medley, nous avons choisi 7 chansons sur 16 titres qui composent cet album. On écoute. C'est ma chanson, c'est mon coup de cœur. Cette chanson, pour moi, elle est énorme. Alors, c'est vrai qu'il y a le Happy Birthday Yeah. De Matt. Il y a évidemment le traditionnel Joyeux anniversaire. Yeah. Et puis, il y a le Joyeux anniversaire de Sidiki Diabaté. Parce que cette chanson-là, j'ai le sentiment qu'elle va vraiment prendre toutes celles et tous ceux qui ont envie de souhaiter un bon anniversaire à quelqu'un. Est-ce que c'était le but? Est-ce que tu l'as fait dans ce sens-là? En fait, c'était exactement dans ce sens-là. Parce que j'ai un ami, il s'appelle Amala Nyang. Lui, il a sa femme,
franchement, j'ai la fatigue. Elle prépare tout le temps du mafé, des choses pour moi et son anniversaire. Je suis l'air noble. Je suis l'air griot plutôt. Ouais. Et ils sont mes nobles. Et son anniversaire m'a trouvé en tournée. Ouais. J'étais dans ma chambre d'hôtel et je me suis inspiré de ses sons et je l'ai déduit ses sons. Elle a tellement pleuré qu'elle est devenue malade. Non, mais la chanson, alors elle ouvre en plus l'album, la chanson est extraordinaire. Elle s'appelle Kuma Balaira, elle est jusqu'à Kai, dans une de ses...